Oh, attendez, 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 attendez. On est toujours en train de voir les acteurs, de voir ce film monté magnifique, etc. Mais qu'en est-il de l'équipe technique? Vous savez, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qu'on ne voit jamais. Attendez, aujourd'hui, je vais vous les présenter. Regardez, prenons cette belle équipe. Il y a du monde, de tout âge, de tous horizons. Il y a aussi des personnes qui sont là pour regarder, mais en général, ils ont tous un rôle. Et tous les rôles sont importants. N'oubliez pas que pour faire un film, il faut réussir à avoir tout le monde, car avec une de ces personnes en moins, ça ne serait pas pareil. Prenons par exemple le sondier. Oui, ce sondier qui tient des perches qui peuvent peser jusqu'à 30 kilos. Regardez dans son état naturel. Mais oui, je sais, ça a été long cette semaine. Oui, oui, on va rentrer à la maison. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Oui, j'arrive, j'arrive. Il n'est pas seul, il y a aussi celui justement qui va créer la bande sonore l'ingé son. Ils sont en général nombreux, mais celui-là est très compétent. Oui, toujours un peu de folie. D'ailleurs, en parlant de folie, voici le script. Le script est très important, toujours à l'heure sur un tournage, très important pour écrire ce qui se passe et pour écrire. Non, c'est pas vrai, il est toujours en retard. Oh putain, là, c'est le tournage. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est important, mais rien ne serait sans un cadreur, évidemment. Et son chef opérateur, un peu le chef, littéralement, et son petit chien, le pauvre. Chef opérateur ? Vous savez, chef opérateur, comment dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais cadrage. Il y a simplement sa vérité. Vous savez, c'est tout un écosystème. C'est la vie, c'est l'amour, c'est les acteurs, les actrices. Chef opérateur, c'est un art lié à la technique. La technique qui évolue sans cesse. Chef opérateur, c'est la maîtrise du geste. Oui, effectivement. D'ailleurs, le geste, c'est le monteur qui le met en exécution à la fin. Car sans le monteur, ces images ne pourraient en aucun cas être utilisées. Un monteur est toujours content du travail de son équipe. Putain, ces images sont incroyables. L'équipe a vraiment fait un travail exemplaire. C'est un excellent travail. Enfin, il n'y a presque rien à changer. Je dois juste faire un tout petit peu d'étalonnage. Le plan est magnifique. Pouah. C'est incroyable. Ok, je mens un petit peu. En fait, ça se passe plutôt comme ça en général. C'est de la merde. Mais passons à autre chose, il y a aussi la fameuse accessoiriste. En général, elle aime les couleurs, elle aime la vie, elle aime tout ce qui ne prend pas la tête. Rouge, rose, rouge, non rose, on va prendre du bleu. Ah, et la maquilleuse, évidemment. La maquilleuse qui est là pour rendre beau nos acteurs. La maquilleuse qui se fait d'ailleurs draguer sur toutes les scènes. Elle commence à en avoir marre. Ah, je suis un acteur, et je suis le plus beau, il peut avoir tout ce que je peux. D'ailleurs, il veut la maquillage aujourd'hui. Il veut la draguer, fais-moi un bisou là. Non, elle a pas compris, c'est pas ça. Elle, qu'est-ce que tu as de beaux cheveux? Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Moi, je suis sûr que ce soir, je vais. Attends, je vais tenter une autre technique de drague. Attends, viens, que tu as de beaux cheveux. Et oh, mais c'est pas possible. Bref, et rien ne pourrait être fait effectivement sans le réalisateur. Celui qui est facile à comprendre, lucide. En général, le réalisateur est simple et concret. C'est une personne qu'on comprend facilement. Allez, capé là. C'est pas possible ça, mais elle est où la maquilleuse là? Non mais faut refaire ça, les costumes c'est une vraie proposition là? Elle est où la costumière? Non mais... Bon allez, on va le faire comme ça là. Non mais, le café c'est chaud, ok? Merci. Allez c'est parti, on y va. Allez, action! Allez, plus d'intensité là, plus d'intensité dans le jeu là. Allez, allez, allez aux larmes. Allez, allez, je veux voir la flamme dans les yeux, allez. Intense. Non mais dégage là, tu me gâches le paysage. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, plus triste, plus triste, plus triste avec le sourire dans les larmes. Allez, vas-y, là, pleure. Allez, l'alarme. Allez, sourire. Oui, allez, embrassez-vous maintenant. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, allez. Oui, enfin, on le comprend si on arrive à trouver une place dans sa tête, ce qui n'est pas facile. Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai parlé de tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir retourner au... Comment ? J'ai oublié quelqu'un ? C'est vrai, j'ai oublié quelqu'un. L'assistante de prod. Le problème de l'assistante de prod, c'est qu'elle part tout
à la fois. Elle s'occupe des bons vouloirs du réalisateur et essaye de comprendre justement ce qu'il a dans la tête. Sans elle, vraiment rien ne pourrait être fait. Effectivement, je vous ai parlé de cette équipe et c'est vrai que je les ai un peu charriés. Mais comprenez la réalité des choses. C'est bien beau de connaître les acteurs. Mais pensez que si un film est fait, si l'acteur est beau, c'est grâce à eux.